La Provence et le Languedoc-Roussillon réunissent sur un espace limité la plus forte concentration de vestiges du passé et quelques-uns des plus beaux témoignages de l'Antiquité romaine. En génie bâtisseur, les Romains avaient également tracé une route pour rejoindre l'Espagne depuis Rome. C'est la Via Domitia. Elle est la plus ancienne de France et la première construite hors de l'Italie. Suivre son tracé permet de marcher sur les pas des Romains et de remonter le temps pour un voyage hors du commun. Vers l'an 600 avant Jésus-Christ, les Grecs de la ville de Phocée, dans l'actuelle Turquie, traversèrent la Méditerranée et s'établirent sur les rivages de Gaule. Ainsi, Marseille vit-elle le jour sous le nom de Massalia. En l'an 125 avant Jésus-Christ, Massalia fut menacée par certaines tribus gauloises en révolte. Elle fit alors appel à Rome, son allié. Rome envoya ses légions avec à leur tête le consul Caius Sextus Calvinus. Les Celtes furent vaincus au cours de deux campagnes militaires et les Romains installèrent en 122 avant Jésus-Christ à Aquae Sextiae le premier camp romain permanent de Gaule, la future Aix-en-Provence. La même année, Cneius Domitius Aenobarbus prit la succession de Caius Sextus Calvinus comme consul de Transalpine et poursuivit avec succès la guerre contre les Gaulois révoltés. Après son triomphe à Rome, Cneius Domitius Aenobarbus revint en Gaule à la tête d'une nouvelle armée et de colons. Il créa, en l'an 118 avant Jésus-Christ, la première colonie romaine en Gaule et lui donna le nom de Narbo Marcius, la ville dédiée au dieu Mars. Narbonne donna ensuite son nom à la première province romaine de Gaule, la Narbonnaise, appelée aussi la Provincia, dont nous avons fait Provence. À cette époque, la Provincia s'étendait sur un très vaste territoire, de Toulouse au lac Léman. En présentant les plus belles peintures murales romaines de France, le musée archéologique de la ville permet de se rendre compte de la splendeur passée. Le musée abrite également la plus ancienne borne milière de Gaule.
Elle date de 118 avant Jésus-Christ et porte le nom de Cneius Domitius Aenobarbus, le fondateur de la Via Domitia. Après la création de la ville, le Sénat de Rome décida de créer une route terrestre sûre pour se rendre de Rome en Espagne. Cneius Domitius Aenobarbus fut chargé de sa construction. C'est ainsi qu'il fit construire la route à laquelle il donna son nom, la Via Domitia. La Via Domitia franchissait les Pyrénées sur deux itinéraires, au col du Pertus et au col de Panissar. Seul est préservé aujourd'hui le passage du col de Panissar. La Via Domitia rejoignait la Via Augusta, qui descendait jusqu'à Cadix, au sud de l'Espagne. Un trophée de 35 mètres sur 30 à la base fut érigé à cet endroit par le général Pompée en l'an 71 avant Jésus-Christ. Il commémorait sa victoire sur Quintus Sertorius, gouverneur d'Espagne citérieure, révolté contre Rome. Ce trophée comportait les noms des 876 peuples vaincus. À partir de la frontière, la voie domitienne empruntait deux itinéraires, l'un à l'intérieur des terres, l'autre côtier. L'itinéraire montagnard empruntait les gorges de la Rome. Elles étaient encadrées par deux forts romains. Ces deux forts, le fort de la Cluse Haute et le château des Morts ou Castel del Moros, se faisaient face à face. Ils permettaient d'entretenir une garnison à la frontière des provinces de la Narbonnaise et de la Tarraconnaise. Au fond des gorges de la Rome s'élevait un portorium, un bâtiment des douanes traversé par la voie romaine et pourvu de lourdes portes. Le voyageur qui la franchissait devait s'acquitter d'une taxe de péage calculée sur la valeur des marchandises transportées. Le tracé de la Via Domitia passait ensuite tout près du fort de Sals, au nord de Perpignan, et près duquel existait déjà un fort romain appelé Fons Salsulae. Elle arrivait ensuite à Narbonne. Le dynamisme économique de Narbonne ne dépendait pas uniquement des activités maritimes, mais également de l'exploitation des ressources locales. Pêche, ostréiculture, industrie de salaison, exploitation minière. Les campagnes alentour étaient partagées en grands domaines agricoles. On y cultivait le blé, l'olivier et la vigne, y produisaient des vins réputés. Toutes ces productions étaient exportées aux quatre coins de l'Empire par voie terrestre et maritime. Cela nécessitait un nombre incalculable d'amphores et de céramiques. De grandes fabriques existaient non loin de la ville. L'une des plus importantes
fut découverte à Salel d'Aude, à quelques kilomètres de Narbonne. L'atelier s'étendait sur environ 3 hectares et comprenait une carrière d'argile, des bassins de décantation, des aires de stockage, des bâtiments et 17 fours de formes et de dimensions diverses. Installée dans les années 20 à 30 avant Jésus-Christ, cette fabrique se spécialisa dans la production d'amphores destinées à la production viticole. Amphoralis, le musée des potiers gallo-romains, est devenu un lieu unique, avec un intérêt culturel et archéologique de premier plan. Tel un pont, il enjambe le site et évoque la fabrication, la cuisson et la commercialisation des poteries. Un four de terre a été reconstitué dans un but de recherche et d'expérimentation, mais aussi d'animation pédagogique auprès du public. Les matériaux ont été fabriqués à la main, avec de l'argile, et la construction s'est effectuée selon les techniques observées sur l'original. Narbonne marquait un véritable carrefour entre la voie domitienne de l'Italie vers l'Espagne et la Via Aquitania qui remontait jusqu'à Toulouse et Bordeaux. La Via Aquitania atteignait d'abord Carcasso, ville romaine bâtie à l'emplacement de l'ancien oppidum gaulois et occupée aujourd'hui par la célèbre cité médiévale. La Via Aquitania rejoignait ensuite la ville de Bram en direction de Toulouse. Bram était dans l'Antiquité un centre de peuplement gaulois au nom de Eburomagus qui signifiait le marché de l'If ou le marché des Buros. À partir d'Auguste, Eburomagus connut une croissance très importante et devint un grand centre de production de poterie. Bram possède un musée aux aménagements clairs et modernes pour présenter les résultats des fouilles qui furent entreprises sur son territoire. Les collections de la Maison de l'archéologie sont le reflet de l'importance régionale du site antique. L'oppidum dans ses runes, au sud de Béziers,
est l'un des sites pré-romains les plus importants d'Europe. Avant la conquête romaine, la France était le pays des Gaulois qui vivaient en tribus au sein de villages. Ces derniers étaient fortifiés et établis sur des hauteurs pour des raisons de sécurité, les oppidas. Les Gaulois étaient d'habiles artisans et de farouches guerriers. Ils avaient créé entre ces oppidas des chemins de terre dont le tracé fut repris par les Romains. Les vestiges dans ces runes sont caractéristiques de l'habitat pré-romain du sud de la France. Les tessons de céramique, retrouvés lors des fouilles réalisées depuis 1915, permettent d'observer le mélange progressif entre les populations celtes et les civilisations méditerranéennes. L'influence gréco-romaine sur le site dans ces runes est manifeste. Elle se traduit dans les techniques de construction employées et dans les nouvelles formes d'urbanisme, présence de chapiteaux et de colonnes s'inspirant des ordres ioniques et doriques. L'influence de Rome se retrouve aussi dans l'usage du mortier. Les oppida gaulois occupaient une place privilégiée tout le long de la Via Domitia. Les Romains traçaient leur route de manière à ce qu'elles traversent un village gaulois ou passent au pied d'un oppidum tous les 25 à 30 km, ce qui constituait une journée de voyage à vitesse normale. Ces oppida furent transformés en points d'étape pour les voyageurs pouvant offrir gîte et repas pour la nuit. C'étaient les mansiones. En dépit de ces changements, Anserune conserva longtemps son caractère indigène. Aucun monument public ou édifice cultuel n'a en effet pu être repéré. Le musée du site compte une très importante collection d'objets appartenant aux civilisations celtes, grecques et romaines. Avant la création de la Via Domitia, une route existait déjà, que les Grecs avaient appelée « Voie héracléenne » en référence à la légende d'Hercule revenant d'Érythie, c'est-à-dire du delta de Guadalquivir en Espagne. Il l'aurait empruntée pour entrer à Mycène en ramenant les bœufs qu'il avait pris à Gérion, le géant aux trois corps. Les Grecs introduisirent en Gaule du Sud la culture de l'olivier et l'initiation à la greffe de la vigne. Ils ont donné à la région son style méditerranéen qui en fait encore aujourd'hui son charme. De son passé antique, Béziers conserve le pont vieux qui permettait à la Via Domitia de franchir l'Orbe. Les écoinçons entre deux arches étaient percés d'ouïes en arc plein cintre pour éviter l'effet de barrage en cas de crue. Les 9 arches du pont sont bâties sur le même modèle que les autres ponts languedociens. Il a été soigneusement entretenu et conservé jusqu'à nos jours.
Sur un parcours pédestre d'environ 8 km, entre Loupian et Pinet, la Via Domitia peut être parcourue à pied à travers la garrigue. Son tracé offre une magnifique vue sur l'étang de Thaux, déjà réputé au temps des Romains pour sa production piscicole. Les routes romaines étaient pavées ou dallées à l'entrée et à l'intérieur des villes, mais rarement en rase campagne. Elles apparaissaient plus souvent sous la forme d'un chemin de terre. Une route romaine était composée de trois couches. Une coupe de la Via Domitia sur le site de Pinet permet de les découvrir. Une couche de blocs de pierre grossiers pour les fondations, une couche de gravier mélangée à du sable, le nucleus, et enfin, la dernière couche composée d'un mélange de terre et de gravier fin, damé. À sa création, et comme toutes les routes romaines, la Via Domitia appartenait à la catégorie des Via Militares, c'est-à-dire réservée au passage des légions. Avec la paix romaine, elle devint une Via Publicae, une voie majeure de l'Empire utilisée par les commerçants et les voyageurs, construite aux frais de l'État et qui porte le nom de son constructeur. Les Via Publicae étaient sous la surveillance directe du curateur, haut fonctionnaire de l'administration impériale. Enfin, les Via Vicinales reliaient les Via Publicae au bourg de la province ou vicus. Le site d'Ambrussum, entre Montpellier et Nîmes, est remarquable pour les vestiges de la Via Domitia, en grande partie dallée. La construction de leur gigantesque réseau routier obligea les Romains à créer des relais-étapes pour accueillir les voyageurs. On parlait généralement de mansiones pour désigner les relais d'étape et de mutationes pour les relais de poste. Les mansiones étaient établies tous les 15 à 20 000 Romains, soit tous les 25 à 35 km, à la différence des mutationes réparties tous les 5 à 8 000 Romains. Les mansiones constituaient des relais d'étape permettant de passer la nuit où l'on s'arrêtait pour changer de chevaux et se reposer. Le critère principal du confort de l'étape était la possibilité de prendre un bain. À Ambrussum fut découvert la chambre de chauffe d'un établissement thermal, sans doute à usage public, et qu'il convient d'attribuer à l'équipement de la station. D'une manière générale, les auberges avaient mauvaise réputation et les riches Romains préféraient souvent s'installer avec leur propre campement à proximité de la route. Comment les Romains, ces génies bâtisseurs, ont-ils pu construire ces routes d'une manière aussi rectiligne à travers leur immense empire ? Il ne faut pas oublier que les routes étaient tracées avant tout pour le déplacement des légions qui devaient aller vite. Et il n'y a pas de chemin plus rapide que la ligne droite. Les ingénieurs de l'armée romaine, les mansores, utilisaient trois instruments de visée. Pour les visées horizontales de nivellement, ils se servaient d'un corobat, une sorte de gigantesque niveau à eau, constitué d'une longue pièce de bois de près de 6 mètres de long, dans laquelle était aménagée une rigole remplie d'eau, le canalis. Deux œilletons placés à chaque extrémité permettaient des visées oculaires après le calage horizontal de l'instrument. Thank you.
La groma est un outil plus connu. Elle servait pour les visées angulaires et correspond à l'équerre optique moderne. Elle était constituée d'une croix à quatre branches perpendiculaires, l'équerre de direction. À l'extrémité de chaque branche était suspendu un fil à plomb. L'équerre était fixée sur un bras pivotant, lui-même raccordé à un support vertical que l'on plantait en terre. Le dernier outil était la dioptra, utilisée pour les visées astronomiques. Une fois les calculs des géomètres terminés, le chantier pouvait commencer. La voie domitienne quittait l'oppidum d'Ambrussum par le pont qui franchissait le Vidourle. Il n'en reste qu'une arche à ce jour, contre les 11 arches qu'il comptait à l'origine sur une longueur de près de 180 mètres. Deux autres ponts méritent le détour, même s'ils ne se trouvent pas directement sur le tracé de la Via Domitia. Celui de Boisseron et celui de Sommières. Le pont de Boisseron permettait à une route romaine de relier la Via Domitia avec la voie Nîmes-Lodève en franchissant un affluent de la Vidourle, la Bénovie. L'empereur Tibère fit construire à Sommières, au 1er siècle de notre ère, un pont long de 189 mètres composé de 17 arches. Il en subsiste encore 7. Les autres arches ont été recouvertes par la ville médiévale et incluses dans les caves des maisons, comme ici, l'arche dite de Tibère. Ce pont enjambe le Vidourle
et assurait probablement la liaison avec la route vers l'Oder. Il s'agit du pont romain le plus long et le mieux conservé du Midi de la France. En 22 avant Jésus-Christ, l'empereur romain, Auguste, divisait le territoire de la Narbonnaise en 22 cités, ou civitates. Elles étaient de taille très inégale. Les plus grandes reprirent assez souvent, et à peu de choses près, les limites des anciens peuples gaulois. Il en fut ainsi pour la cité de Nemosus, Nîmes, la cité des Volques, dit Arécomique. La ville était protégée par un rempart comportant des tours régulièrement espacées. 43 d'entre elles sont connues et leur nombre total est estimé à 80. La plus remarquable était érigée au sommet du mont Cavalier. C'est la tour Magne, ouvrage de l'époque augustéenne, réutilisant une tour pré-romaine. La maison carrée porte ce nom depuis le XVIe siècle. À cette époque, tout rectangle avec quatre angles droits était considéré comme carré. Des édifices de spectacle, seul l'amphithéâtre a survécu. Il n'a été construit qu'à la fin du 1er siècle, à l'intérieur de l'agglomération tout près du rempart méridional. Mais quel édifice ! Ce sont les arènes les mieux conservées du monde romain. Elles pouvaient accueillir 24 000 personnes réparties selon leur rang social et venant assister aux combats de gladiateurs, aux luttes contre des taureaux et des ours. Avec 133 mètres de long et 101 de large, il s'agit d'un des plus grands amphithéâtres de la Gaule romaine. Un ingénieux système de couloirs et d'escaliers permettait aux spectateurs de gagner rapidement leur place et de quitter l'amphithéâtre aussi vite. Le musée archéologique de Nîmes possède la plus importante collection de bornes miliaires du sud de la France. La construction des routes romaines nécessitait des repères de distance pour les voyageurs. Les bornes miliaires sont ainsi nommées car elles étaient implantées tous les 1000 romains, soit tous les 1481 mètres. Ces bornes sont constituées d'une colonne en pierre, planté dans le sol d'environ 2 à 4 mètres de haut et 0,50 à 0,80 mètres de diamètre. Les chiffres inscrits donnaient la distance entre le point d'implantation de ces bornes et le point de départ ou d'arrivée de la route. Ainsi, l'empereur Auguste fit effectuer un bornage à partir de Narbonne vers les Pertus et de Narbonne vers le Rhône. Le musée archéologique possède une riche collection de stèles funéraires.
Celles-ci étaient disposées le long des voies romaines, à l'entrée de la ville. La Via Domitia quittait la ville de Nîmes en direction du Rhône par une porte monumentale, la porte d'Auguste. Cette porte est constituée de deux grands passages voûtés qui étaient empruntés par les véhicules et de deux passages latéraux destinés aux piétons. Grand bassin de distribution d'eau, le Castellum est un vestige très rare. Taillé dans le rocher, il marquait le point d'arrivée de l'aqueduc à Nîmes. Des canalisations en plomb acheminaient l'eau ensuite vers les monuments et les fontaines de la ville. Vers le milieu du 1er siècle après Jésus-Christ, l'eau était acheminée dans la ville de Nîmes par un aqueduc dont la source de captage était la fontaine d'Eure à Uzès. Cet aqueduc franchissait la vallée du Gardon par le célèbre pont du Gard. Le pont du Gard est l'aqueduc le plus haut et le mieux conservé du monde romain. L'aqueduc antique fut construit vers l'an 50 de notre ère sous l'empereur Claude ou Néron et la construction dura 15 ans. Haut de 48 mètres, long de 490 mètres, son arche centrale enjambe le Gardon grâce à une ouverture de 24,50 m. Il est formé de trois étages superposés constitués de 6, 11 et 47 arcades, dont 12 sont détruites. Le pont du Gard est entièrement construit en pierre de taille provenant d'une carrière située à 600 mètres sur la rive gauche du Gard. Les blocs constituant les piles et les voûtes étaient préparés directement dans la carrière de laquelle on les extrayait. Ils étaient taillés sur place et numérotés puis transportés jusqu'au bord du Gard où les maîtres d'œuvre les recevaient. La masse totale de pierre a été évaluée à 50 400 tonnes, certains blocs pouvant atteindre 6 tonnes. L'aqueduc d'Uzès à Nîmes fut utilisé jusqu'au 6e siècle de notre ère. Avant l'arrivée sur Beaucaire, se situe le Mas des Tourelles, une ancienne villa gallo-romaine avec atelier et four de potier, datant probablement de l'époque augustéenne. Entre le 1er et le 2e siècle, sur une superficie de 135 hectares, y furent cultivés essentiellement la vigne et probablement l'olivier. La production de vin était telle que la villa comportait plusieurs fours dont la seule vocation était de fabriquer des amphores. La fameuse Gauloise IV, bien connue des potiers gallo-romains de la Narbonnaise, permit d'exporter aux quatre coins de l'Empire romain la production de vin.
Au Mas des Tourelles, le visiteur est plongé au cœur de l'Antiquité romaine. La reconstitution d'une cella vinaria, cave en taille réelle et en état de fonctionnement avec son pressoir, ses dolia ou grandes jarres en terre cuite et ses amphores donnent de précieuses indications sur la viticulture de l'époque gallo-romaine. L'impressionnant pressoir a été reconstitué d'après un texte de Caton. Sur le site du Mas des Tourelles, fut aménagée également la reconstitution d'un vignoble gallo-romain ainsi qu'un bois sacré, lieu dans lequel les Romains venaient se reposer et prier. Dans le vignoble, la vigne est conduite sur différents supports, treilles, pergolas ou oliviers. La ville d'Orange, qui était la cité romaine d'Arosio, fut créée pour les vétérans de la 2e Légion vers l'an 40 avant Jésus-Christ. L'arc de triomphe s'élevait sur la Via Agrippa à l'entrée nord de la cité. Il célébrait les exploits guerriers de la 2e Légion. Le théâtre est toujours utilisé au XXIe siècle pour des spectacles de grande qualité. Les vestiges de son mur de scène permettent d'imaginer la richesse de ses décorations qui l'ont rendu célèbre dans le monde antique. Les sites archéologiques de Vaison-la-Romaine sont exceptionnels. Loin de la Via Domitia, le site de Puymain et celui de Villas permettent de se faire une idée très précise de la vie urbaine au temps des Gallo-Romains, au temps où la cité portait le nom de Vasio. À l'approche des villes et à l'intérieur de celles-ci, les routes et les rues étaient pavées ou dallées. Le site archéologique de la Villas correspond à un quartier riche et très actif de la ville, avec ses rues, ses boutiques et son ensemble thermal.
La rue des Boutiques est l'un des exemples les plus marquants de l'urbanisme de Vasio. Constituée de grandes dalles calcaires, disposées irrégulièrement pour réduire le chaos des roues des chariots qu'il empruntait chaque jour, c'était un axe important de la ville. On y accédait à l'est par un large trottoir et à l'ouest par une galerie piétonne que l'on devine aux colonnes qui supportaient l'étage des bâtiments. C'est par cette rue que les habitants de la cité antique se rendaient aux thermes destinés aux bains et aux exercices physiques. En arrière de cette animation urbaine bruyante, de grandes demeures tournées sur leur cour intérieure témoignent d'une qualité de vie et d'un luxe réservé aux populations aisées. Vaison la Romaine conserve des vestiges exceptionnels de grandes villas ou domus. Salle à manger, salle d'apparat, cuisine avec foyer et bassin, et même les latrines, les toilettes de l'époque, sont autant d'indications précises sur le mode de vie des riches romains. La ville comptait plusieurs sanctuaires et temples consacrés à un dieu, un empereur ou une personnalité locale. Le théâtre antique témoigne de la prospérité de la ville de Vasio. Il est l'un des rares édifices publics encore visibles à Vaison-la-Romaine. Sa construction date très certainement du 1er siècle de notre ère. Le parc historique de Beaucaire propose au public une plongée dans le temps à la découverte de différentes formes d'escrime historique. L'équipe de Acta explique et fait découvrir des jeux du cirque romain avec les combats de gladiateurs. La Via Domitia traversait le Rhône à Beaucaire, pénétrait dans l'actuelle Provence et poursuivait son tracé jusqu'à Glanum, près du village de Saint-Rémy-de-Provence. L'antique cité connut son apogée à l'époque du premier empereur romain, Auguste. «
Le site offre une caractéristique exceptionnelle. Il compte trois stades d'occupation. Période gauloise, puis hellénistique et enfin romaine. Glanum fut à l'origine occupé par un habitat celtique qui s'hellénisa ensuite rapidement. Le peuple des Glaniques appartenait à la Confédération des Saliens. Dans les derniers temps de l'indépendance, de véritables constructions de type grec, directement inspirées de Marseille, furent édifiées. Maisons à péristyle, temples, puis à dromos. Les Romains, après avoir vaincu les Gaulois, se sont installés dans la ville qui devint Glanum. Ils y créèrent un réseau important d'adduction en eau avec des canalisations en plomb ainsi qu'un vaste réseau d'assainissement par des égouts. Ils construisirent des temples en l'honneur de l'empereur et de la famille impériale. Des thermes, une basilique, une curie, un forum, et ont continué de vénérer la source où les vétérans des légions venaient se faire soigner de leurs blessures. En effet, les médecins romains déclarèrent que l'eau était magique et qu'elle soignait le corps. Agrippa lui-même vint y faire soigner sa jambe et en remerciement fit construire un temple. Les thermes comportaient une grande cour ou palestre, le caldarium avec bain chaud, le tepidarium où la température était tiède, et enfin le frigidarium ou salle non chauffée avec bain d'eau froide. Glanum compte de très beaux vestiges de villas urbaines avec péristyle et mosaïques. Elles témoignent de l'art de vivre luxueux des riches romains. L'Arc de Triomphe marquait l'entrée de la ville. Il commémore la conquête de la Gaule par les Romains. Avec les migrations barbares, la ville fut abandonnée et ses pierres utilisées pour construire la ville voisine de Saint-Rémy de Provence. Plus au sud, à la tête du delta du Rhône, la ville d'Arles doit ses origines à une occupation grecque puis celte. Ce furent effectivement les Celtes qui lui donnèrent le nom d'Arelate. Mais ce furent les Romains qui créèrent véritablement la cité. Marius fit construire un canal qui la reliait à la mer. Arles devint un port capable de rivaliser avec Marseille. Avec la paix romaine, au 1er siècle de notre ère, de grands monuments furent construits. Arènes, théâtres, forums, thermes. Les arènes pouvaient recevoir au moins 20 000 spectateurs venus assister aux combats de gladiateurs. Chaque étage, décoré de pilastres, doriques et corinthiens, est formé de 60 arcades. Auguste agrandit la colonie qui devint une cité importante et un port très actif. Il existait plusieurs corporations de marins et mariniers spécialisés, des chantiers de construction navale et une préfecture de la navigation.
le port prit alors de l'importance, assurant le commerce avec tout l'Empire. Arles conserve aussi les vestiges du théâtre antique, une partie des gradins, la fosse d'orchestre et quelques colonnes. Ils sont assez évocateurs et laissent imaginer ce qu'était un théâtre dans une cité romaine antique. Au Moyen Âge, le théâtre subit quelques transformations pour devenir un fortin. Une tour médiévale subsiste. La ville eut à souffrir des invasions barbares et arabes. Les arènes elles-mêmes furent transformées en une petite ville fortifiée. Les habitants des villes romaines étaient inhumés hors des murs après leur mort. La nécropole des Aliscamps, les Champs-Élysées, le long de la voie aurélienne, est très caractéristique. Au Bas-Empire, l'empereur Constantin y séjourna plusieurs fois et Arles fut même pour un temps la préfecture des Gaules. L'empereur y fit construire les thermes qui portent son nom. Située plus au sud de la Via Domitia, Arles se trouvait tout de même au croisement des voies de communication. Tandis que la Via Domitia poursuivait son tracé à travers les Alpes, une autre route descendait à partir de Beaucaire, autrefois Ugernum, pour longer la mer et rejoindre l'Italie. C'était la Via Aurelia. La Via Domitia reprenait le tracé des anciens chemins gaulois puis celui de la voie héracléenne des Grecs. Au Moyen Âge et au temps moderne, toutes les grandes routes ont suivi de près le tracé de la voie romaine, que ce soit pour le chemin de fer ou pour l'autoroute, la Languedocienne. Nulle autre région de France n'est autant imprégnée par l'Antiquité romaine, et la Via Domitia demeure son plus beau chemin de découverte, chargé d'une intense puissance d'évasion.